Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul. Donc aujourd'hui ça va être un haul un peu particulier parce qu'il y a un peu beaucoup de choses. Il y a de tout et de rien. Donc j'ai acheté des trucs sur Jennifer, quasiment tout ne va pas. J'ai acheté sur Ocean's Apart pour tester un peu leurs leggings, etc. Je suis allée aussi à Primark, je suis allée aussi dans un truc de presse, je suis allée à Truffaut, beauté privée, bref. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais cette vidéo est en collaboration avec Shoptag, elle est sponsorisée. Donc Shoptag, si vous ne connaissez pas ce que c'est, moi j'utilise depuis environ 3 semaines, ouais 3 semaines je crois. C'est en fait un site internet hyper pratique pour moi. Donc en gros Shoptag, ça permet de lister les articles que vous souhaitez avoir. Par exemple si tu regardes des choses sur internet, un article ou je ne sais quoi, et qui te fait envie, eh bien tu peux directement le lister sur cette application. Moi, en gros avant je faisais plein de screenshots de tout ce que je voulais, des palettes chez Sephora, un habit qui n'avait plus ma taille, etc. Donc je screenais au cas où pour le retrouver les références, enfin bref, c'était un mess dans mon téléphone. Et après j'ai découvert Shoptag et j'ai pu vraiment plus clarifier mes achats, j'ai pu un peu plus lister mes achats. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Vous pouvez télécharger Shoptag directement avec Chrome, vous pouvez utiliser l'extension, moi je préfère le faire sur internet que sur le mobile, même si ça existe sur mobile. Vous pouvez télécharger directement en extension. Donc après vous avez un petit onglet, un petit S sur en haut à droite de votre écran. Donc dès que vous allez, je sais pas, sur Sephora, sur H&M, sur n'importe quel site en fait, et qu'il y a un article qui te fait envie, par exemple il y a plus ta taille ou que t'as envie de le garder dans une liste ou que il est un peu trop cher pour toi à ce moment-là, et ben tu peux l'ajouter sur ce site-là, donc Shoptag. Tu notes ta taille, genre moi c'est la taille M par exemple. Et tu peux choisir si tu veux recevoir une notification, s'il change de, s'il y a une petite remise ou pas de 25 ou 50% ou si le prix n'a pas changé. Donc moi je fais ça souvent pour les articles qui n'a plus ma taille en fait, genre s'il n'y a plus la taille M, au moins je suis avertie directement, on m'envoie une petite notification, un petit mail en me disant « Hey Elisa, ton article est de nouveau en stock, etc. Si tu veux le choper, bah vas-y directement. » Donc je vais sur le site de Shoptag, je clique sur l'article, ça m'atterrit directement sur le site en question, donc ça peut être Sephora, H&M ou autre, et donc après je peux l'acheter. Ça c'est vachement bien, et ce qui est hyper cool c'est que tu peux faire des listes en fonction de tes envies. Donc une liste maison, une liste mode, une liste make-up. Moi j'avais fait une liste pour l'appartement, donc en fonction de chaque pièce, salle de bain, salon, cuisine, etc. avec les trucs de Ikea. Donc avec l'extension Shoptag, vous pouvez aussi avoir des remises avec les codes promo. Enfin, ils vous proposent différents codes promo que vous pouvez appliquer à votre panier. Et aussi si vous payez via PayPal, vous avez un système de remboursement via PayPal avec des différents partenaires, vous avez ça aussi. Mais vraiment Shoptag c'est hyper bien pour tout ce qui est liste. C'est beaucoup plus clair en fait. Moi j'y vois beaucoup plus clair dans ce qu'il faut acheter, parce que là quand on déménage, quand on déménage pas forcément aussi, mais surtout quand on déménage on a beaucoup de choses à acheter, on s'y perd un peu partout en fait, dans toutes les dépenses, les achats, etc. Et sur cette application c'est beaucoup plus clair, t'as les images, t'as les prix, enfin t'as tout, t'as les liens où tu peux facilement retrouver les produits. Donc moi j'utilise cette application et c'est vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien pour télécharger Shoptag, et franchement je vous incite grandement. Si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, c'est pas payant heureusement hein. Donc voilà pour cette application là. Là, je vais vous présenter maintenant les articles. Donc je vais commencer par Jennifer parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Vous savez les t-shirts de Lena Situation en ce moment, vous savez les vlogs avec les t-shirts, vous savez un t-shirt par jour. Moi j'avais vu ces t-shirts là, en fait j'en cherche depuis pas mal de temps ce genre de couleur en fait. Comme vous pouvez voir, j'aime bien ce genre de couleur lila, etc. J'étais super contente parce qu'elle en a fait pour 7,99€ l'unité et pour 10€ les deux. Donc j'ai pu prendre deux t-shirts, donc c'est des t-shirts vraiment basiques avec le petit logo plus égale plus. Non mais cette plante, elle prend de la place hein. Donc voilà, c'est vraiment un t-shirt très basique. La qualité est vachement bien pour une fois, parce que là, avec le reste de la commande, c'est vraiment pas terrible hein. La qualité, je vous jure, c'est pas foufou. Et je l'ai pris en parme, en violet.
Donc c'est pas un violet lilas comme j'ai là, c'est vraiment un violet violet. C'est très joli, donc moi ce que je fais c'est que je retrousse le bas de mon t-shirt pour faire un petit nœud en fait, pour que ce soit un peu moins large. Voilà, donc j'ai pris en taille M. Donc j'ai pris tout d'abord une robe, donc c'était à moins 50% à chaque fois, 15€ le prix normal, donc 7,50€. J'ai pris une robe comme ceci en style un peu Vichy. Alors j'ai pas vraiment kiffé, je crois que c'était au niveau du haut, au niveau des seins, c'était pas foufou. C'était le haut qui était pas vraiment bien, c'était pas assez ajusté, c'était pas une belle forme, c'était un peu trop droit en fait pour moi. Et donc bah ça me plaît pas du tout. Donc ça va directement au remboursement. Ensuite j'ai pris ce petit haut. Alors celui-là j'ai hésité hein, mais je me suis dit vas-y pour 7€ je préfère une qualité un peu mieux. Genre ça par exemple je l'ai payé 5€, c'est d'une meilleure qualité que ça. Donc ça c'est un peu transparent, enfin on voit un peu tout, c'est un peu serré aussi au niveau des épaules, enfin c'est pas très bien taillé je trouve maintenant chez Jennifer, donc voilà je préfère le renvoyer. Donc il était joli, la forme était jolie, vous savez avec le croisé comme ça je trouve ça vraiment pas mal, mais la taille n'est pas trop folle hein, vraiment. Donc en gros sur toute ma commande j'ai gardé qu'un seul t-shirt hein. Et encore il était trop grand mais bon c'est pas grave. D'ailleurs le t-shirt c'est le t-shirt Daffy Duck, je sais pas si, je crois qu'il est au lavage là. C'est un t-shirt blanc basique sur le devant et sur le derrière vous avez Daffy qui est là et trop trop beau. Donc moi ce que je fais, bah, je vous l'ai montré dans mon ancien vlog, mon dernier vlog. Je vous ai montré quand j'ai retroussé, bah, c'était celui là que j'ai acheté, je crois que je l'ai payé genre dans les 7 ou 8€. Vraiment pas cher, il est vachement bien, il est long donc si vous voulez faire une espèce de robe avec un petit cycliste bah, c'est possible. Moi j'ai préféré le retrousser. Ensuite j'ai pris cette robe là qui était vraiment jolie. Vraiment j'ai trop kiffé, c'était super beau et tout. Genre ça faisait une belle courbe mais c'était trop serré au niveau des fesses. Pourtant c'est une taille M, je l'ai payé 16€ donc 8€. Ouais c'est pas foufou vraiment. Après c'était joli, la qualité elle est un peu pas terrible. Genre c'est une qualité de tissu où en gros tu transpires quand il fait chaud. Et que tu transpires pas mal, genre ça ruisselle, tu vois. Ensuite j'ai pris ça, alors je crois que celle-là c'était trop transparent, j'arrive plus à parler. Et le haut de la robe était vraiment, c'était pas possible. Donc c'était pas ajusté, c'était transparent. Après la couleur est jolie, mais la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. C'est trop transparent, on voit tout. Même avec un soutif couleur chair ou une queue de couleur chair, c'est vraiment pas possible. Ensuite j'ai acheté une veste rouge, j'en voulais trop une depuis tellement longtemps. De base 30€, donc je pense que j'ai dû la payer 15€. C'est une belle veste, elle est vachement flash hein. Disons que la caméra mais elle est un peu moins flash en vrai. C'est une super jolie veste, le problème c'est la matière. C'est pas une bonne matière de fou en fait. Chez Pull&Bear ou chez Bershka t'as une meilleure qualité que ça pour le même prix. Donc ça c'est le genre de truc où tu transpires et ça pue quoi. Et c'est vraiment pas possible, donc ça j'ai préféré me faire rembourser aussi. Donc voilà en gros pour Jennifer. J'en avais pour je crois 70€, un truc comme ça, donc la moitié, bah enfin tout quasiment tout va partir au remboursement. Chez Oceans Apart, alors ça on le voit partout sur Instagram, c'est les influenceuses, que ce soit Lena Situation, j'ai vu chez Marine LB, etc. D'ailleurs j'ai utilisé le code de Lena, c'était Lena Wow, un truc comme ça, où en gros dès 80€ d'achat t'as 3 articles offerts. Donc en gros quand on achète seul un ensemble, les ensembles sont super chers. Pour la qualité je trouve que c'est vachement cher, c'est 100€ environ à chaque fois les ensembles, c'est trop cher je trouve. Mais comme t'as 3 articles en plus offerts, genre des brassières ou des leggings, c'est toi qui choisis parmi une sélection d'articles en fait qu'ils te proposent, ça fait en gros 20€ l'article. En soi, ça va. Le rapport qualité-prix, ça va si tu utilises un code promo. Si tu n'utilises pas de code promo, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc par contre, la livraison, elle est hyper longue. J'ai l'impression que ça fait tout le tour de l'Europe. Donc je vais vous montrer ma sélection. Alors, donc j'ai acheté l'ensemble qui me faisait de l'œil. Donc c'était un legging avec une petite forme de cœur au niveau des fesses. Ça fait vraiment super joli. Il existe le même modèle, mais avec le cœur en blanc. J'hésitais entre ça et celui-ci, mais je préférais celui-ci, c'est un peu plus discret. Ça baille un petit peu au niveau du dos, mais ça c'est dans tous mes jeans, j'ai le dos trop creux. Donc j'ai trop une cambrure, moi je suis très cambrée, donc ça baille un petit peu, mais sinon c'est bien ajusté. Le tissu est pas mal, après je connais un peu cette matière-là, je l'utilisais quand je faisais mes compétitions, et ça va vachement boulocher dans les lavages, je le sais. C'est une belle matière, mais c'est plus une tenue visuelle que durable, parce que je sais que ça va bouger, et ça va bouger à l'intérieur. Entre les jambes ça va bouger aussi,
Donc à voir sur le long terme, mais je connais ces matières là, c'est pas... voilà, c'est un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire. 20 euros en gros, ça coûte 20 euros, ça va. Donc je l'ai pris en taille M, tout ça je l'ai pris en taille M. Donc il y a des petites erreurs de taille pour moi, entre guillemets. Et donc en gros, la fameuse brassière qui allait avec, moi j'étais pas très fan de la brassière, mais voilà comment elle se présente. Donc là c'est le dos. Et là c'est le devant. Donc le problème avec ça, c'est que on voit trop la coque en fait. La coque, on la voit beaucoup trop, donc il faut l'enlever, parce que moi je déteste qu'on voit la coque, enfin je trouve ça trop moche. Mais quand on l'enlève, on voit quand même un peu en transparence au niveau des seins, donc ça je le mettrai pas parce que c'est, enfin on voit un peu trop. Et bon, si tu vas à la salle et que on voit tes nibards, c'est pas foufou quoi. Donc voilà, je sais pas si je le mettrais peut-être avec un t-shirt au-dessus, un t-shirt court un peu, voilà, mais sinon tout seul je le mettrais pas. Le mec qui fait ses travaux en même temps que je filme, ça se passe comment? Donc ça c'était plutôt un problème de taille, dans le sens où j'avais l'impression que si je levais les bras en fait, bah le soutif ne... bah, partait avec en fait. Donc je pense qu'il y a un petit problème de taille, j'aurais dû prendre en taille S. Donc c'est ce modèle-ci. Après il est super joli, moi j'aime bien cet effet un peu croisé et tout. Et là on voit pas du tout en transparence, on voit pas du tout les coques, on voit rien du tout. C'est une matière un peu maillot de bain, donc c'est pour ça qu'on voit pas en transparence, alors que l'autre c'est une matière vraiment tissu coton. Donc ça c'est vachement bien pour le sport, c'est hyper, hyper bien. Ça j'aime beaucoup, j'aime bien le motif. Mais oui, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop grand pour moi. Donc pourtant j'ai pris la même chose en noir. Et là ça allait. Là la taille était vraiment parfaite. Je trouve que cette brassière là, je vous la conseille à 1000%. C'est une belle brassière, une belle qualité. Ça va pas boulocher dans les lavages. C'est vraiment pas mal et c'est hyper bien ajusté et c'est très, très discret entre guillemets. Donc c'est pareil que le blanc mais avec des petits croisés comme ça élastiques. Et il est vachement bien. Donc ça je pense que je vais un peu plus le mettre. Parce que moi en fait de base je mets la marque X Bionic. Sauf que c'est une marque très très chère. Moi tous mes leggings, tous mes trucs de sport que je faisais quand je faisais la compète, c'était ça, cette marque là est vachement bien. Pour tous celles et ceux qui courent, c'est une excellente marque. Moi j'ai le legging X Bionic. T'as un effet un peu de fraîcheur quand il fait trop chaud et de chaleur quand il fait trop froid. Enfin c'est un système un peu particulier, un tissu vraiment particulier et j'aime beaucoup. Après je n'ai pas vérifié si on, quand on se baissait avec le legging, si on voyait notre culotte. Ça je l'ai pas vérifié, mais je pense pas. Vu que c'est une matière assez épaisse. Donc voilà pour Ocean's Apart. Donc en gros j'ai payé ça 100 euros les 1, 2, 3. Il manque quelque chose, non? Il manque quelque chose bébé. Je suis sûre il manque un truc. Il manque un legging, je suis sûre. Que j'avais dit ça faisait 20 euros l'unité, donc j'avais 5 articles. Il y avait 2 leggings hein. Ok, en plus il me court dans ma commande. Ah bah c'est pas mal. J'avais pris un pantalon jade. Ok, bah il manque un legging, bah super, écoutez. Je viens seulement de remarquer. Bref, on continue. Ah, je suis dégoûtée, vraiment. Je suis allée à Primark acheter un petit t-shirt, donc il est beaucoup trop grand, ça m'énerve, mais j'ai plus le ticket de caisse. Mais en fait, il y avait Bugs Bunny, et j'adore Bugs Bunny, donc j'ai pris celui-ci, il coûtait dans les 8 euros, je crois. Et donc quand c'est un peu grand, comme je vous dis, il faut faire un petit nœud au niveau du ventre, comme ça, ça fait joli, quoi, et ça fait pas trop grand, quoi. Ensuite après Primark j'ai acheté ça, cette gourde à 8 euros pour boire en fait, soit à la salle ou à la maison ou autre. J'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, et en gros après t'as l'eau qui sort. Hein, voilà. Ensuite je suis allée à Carrefour acheter une solution micellaire tout en un lot de rose. Nettoie, démaquille, illumine sans rinçage, visage, yeux, lèvres, enrichi à l'eau florale de rose. Donc c'est celle-ci, elle est vachement bien dans mes souvenirs, donc c'est pour ça que j'ai repris celle-ci. J'ai fini celle de la marque Avril qui était vraiment nulle à chier. Ensuite j'ai reçu ça de la marque Rimmel London. Alors ça je voulais vous... Ça fait longtemps que je l'ai reçu, mais j'avais du mal à avoir un avis là-dessus. Donc ces deux produits ici, c'est des produits waterproof, donc parfaits pour l'été. Déjà en fait, ils m'ont envoyé un mascara. Donc le mascara, il se prend comme ça, donc c'est packaging basique. Et la brosse est comme ceci. Donc c'est une brosse en poils, donc moi j'adore les brosses en poils. Le problème c'est que ça ne fait strictement rien, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de produit qui se dépose. Moi je sais pas s'il est défectueux ou pas, mais en gros ça ne fait enfin, rien du tout, vraiment rien du tout. Je vous mettrai une petite insertion en image de mes cils. Ça ne recourbe rien, ça ne fait aucun volume, ça ne fait rien du tout, vraiment rien du tout. Donc celui-là, je le conseille pas du tout. Et en fait, ils m'ont envoyé
un eyeliner. Moi j'adore les eyeliners, vous me connaissez. Et en fait ils ont fait plusieurs coloris, bleu, vert, jaune, etc. Moi j'ai voulu tester le noir pour vraiment tester. Donc c'est celui que je porte actuellement. C'est une galère comme pas possible de l'appliquer. C'est en fait c'est un embout pas du tout fait pour faire un liner. Je sais pas si vous verrez. En gros c'est un embout mousse pour faire un liner. Je comprends pas, ça ne fonctionne pas, ça fait des pâtés partout. Je suis obligée de prendre un autre liner pour faire mon trait ici là pour que ça soit droit et fin, parce qu'avec ça c'est impossible à faire un liner propre. Après la couleur est jolie, c'est pailleté, genre je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est pas mal, genre c'est pailleté etc. Mais sinon c'est une grosse galère, et quand tu veux essayer de rattraper ça avec un coton-tige, bah c'est moche, c'est pas possible. Ouais, je vous le conseille pas, même pour les pros du liner, c'est une galère comme pas possible. Donc ça va vraiment dans mes flops, je suis désolée, hein, Rimmel London, mais je comprends pas vraiment. Pourtant dans les photos que j'avais vues sur le site, c'était pour tout ce qui était doré, c'était un truc fin. Et là j'ai un embout mousse, donc il n'y a aucun intérêt, vraiment. Ensuite je suis allée sur Beauté Privée, j'ai reçu ma commande donc tout à l'heure. J'ai acheté un petit masque, donc c'est la marque Tony Moly. Donc ils en font plusieurs, ils en font, enfin je sais pas si vous verrez la caméra, il y a bleu, noir et rose. Donc le rose pour le menton, le bleu pour les joues et le reste, donc la zone T pour... le noir pour le charbon. Donc moi j'ai pris ça, on va tester. Tony Moly c'est une bonne marque en plus, hein. À chaque fois, je crois que c'est disponible chez Sephora, mais sur Beauté Privée c'était pas cher, donc j'en ai profité. Ensuite j'ai pris un sleeping mask de la marque Tony Moly toujours, et il est trop mignon, genre je trouve ça trop beau. C'est un, voilà, un masque de nuit, on verra ce que ça donne. Écoutez, je l'ai pas testé, je peux pas vous dire, de toute façon dans les vlogs vous connaissez maintenant, je vais vous donner mon avis. J'ai pris ensuite sur Beauté Privée toujours Yankee Candle, une petite bougie comme ça. Donc c'est la poire et feuille de thé, ça sent super bon, donc j'ai trop hâte de l'allumer pour voir si ça sent bien dans toute la pièce. Ensuite j'ai pris ma préférée de toutes, Automne Glow, donc c'est reflet d'automne, c'est celle-ci. Elles sont vraiment super bonnes. Désolée pour la lumière, le soleil se cache, revient, repart, hein, vous connaissez. Hein. Et il y en avait une dernière qui est bois en bord de mer. Celle-ci elle est un peu forte, mais elle sent vraiment très bon aussi. Après vous pouvez acheter des tartelettes, c'est peut-être plus économique, mais moi j'aime bien les bougies sous ce format-là. Ensuite il y a un truc, enfin c'est dommage que ça arrive que maintenant, hein, vraiment. C'est des serviettes hygiéniques écologiques, donc c'est des protège-slip lavables en fait. Donc ça se présente comme ça, c'est de la marque MyPad je crois. Et en fait c'est des serviettes réutilisables. En fait moi j'ai les culottes menstruelles mais sinon ils font des serviettes. Donc les motifs je les trouve pas très très jolis, mais en fait c'était les motifs poissons, c'était les moins chers, donc j'ai voulu tester avec les moins chers. J'en ai je crois 5 ou 4, non j'en ai 5. Ça m'a coûté je crois entre 20 et 30 euros, je sais plus vraiment les prix, mais je crois c'est entre 20 et 30 euros. Voilà, par contre à l'intérieur c'est du polaire, j'ai pas trop compris, pourquoi pas écouter. Donc le problème c'est que je prends la pilule Optimizette maintenant pour plus avoir mes règles, donc ça ne m'est plus utile, mais ça servira peut-être un jour, je sais pas. Donc je préfère, enfin je vais pas vous donner mon avis là-dessus parce que je les ai pas testés, je viens d'avoir mes règles donc c'est fini en fait. Je vais les gagner. Je vais vous faire un petit jeu concours, je vais vous faire gagner des culottes menstruelles. Mais tu sais que ça coûte cher, hein, pas tout le monde peut se permettre de payer, donc si vous voulez les gagner, y'a pas de soucis, hein. Non, bref, pourquoi pas, hein. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez les gagner. Je vais jouer. Mais rigole pas, respecte un peu. Plein de meufs qui arrivent pas à se payer des serviettes et le mec il rigole. Toi, t'es vraiment un mec, toi, t'es pas une meuf. Eh, tapez-le. Si vous le croisez, vous le tapez. Vous dites tché, c'est pour les serviettes. Ensuite, j'ai acheté, ça je sais pas si vous voulez montrer, je sais vraiment plus, mais je vous remonte au cas où. Mes petits Picsou, donc les Picsou hors série du mois de juillet. Il est vachement bien, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien, vraiment les histoires sont super bien. Et comme chaque été en fait ils sortent une espèce de petite collection avec une petite boîte. Donc là la collection c'est le cycle des magiciens, donc ça se présente comme ça, donc à la fin t'en as 4, ça te fait un petit dessin. C'est pas vraiment Donald, c'est vraiment avec Mickey et tout, donc bon voilà. Donc le premier il est hyper gros et le deuxième un peu moins gros. Et ils sont vraiment bien aussi. Celui-là, il est vraiment trop beau. J'ai eu un gros coup de cœur sur le packaging. C'est Donald quand il était petit. Non mais regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Et Mickey, c'est un thug. Voilà. Mickey, c'est un thug. Il a des cheveux, non? Ouais, il a des cheveux. Ensuite, à Truffaut, je vais acheter des petits... T'as pété? J'ai acheté un sirop de Monin à l'amande verte. Voilà, j'adore les sirops de Monin et j'ai pris l'amande verte pour faire
des mojitos. Et j'ai pris aussi à l'hibiscus, on l'a repris parce qu'il est tellement bon et il est vachement out of stock rapidement, donc c'est pour ça qu'on l'a repris. J'ai pris ensuite pour les loulous, alors ça c'est nouveau, je sais pas si dans tous les truffauts c'est le cas, mais en tout cas dans le nôtre, on peut prendre les friandises en vrac. Donc, ah c'est pour ça que t'es là depuis tout à l'heure, Chouquette. Bah, putain, j'avais pas compris pourquoi t'étais pour moi. Allez, écoute, non. Donc en fait j'achète ce genre de choses à l'unité, vous en avez aussi des beaucoup plus grandes, donc ça c'est genre du poulet séché ou je sais pas trop quoi. C'est 95 centimes l'unité. Et elle avait bouffé tout le truc, c'est ça? Oui. Putain, il y avait de la viande séchée tout autour de ça en fait. Et le chat l'a fait tomber par terre, elle était en train de bouffer. En gros, il y a Bichette qui a fait tomber le sac par terre. Moi je pensais que tu lui avais... Non, le sac il était pas tombé, il a fait tomber. Ah, il a réussi à prendre ça. Du sac. Du sac. Putain, mais il est fort ce chat. Après, il l'a donné à Birdie. Enfin, il l'a mis par terre et le Birdie l'a bouffé. Et donc, elle a bouffé tout le tour. Ça coûte 2 euros le gros truc. Donc, voilà. Si vous voulez faire plaisir à votre chien, il faut aussi des gros donuts. Enfin, ils font plein de choses. Donc, ça, n'hésitez pas à aller voir à Truffaut, c'est en vrac. Ensuite, chez Pull&Bear, je ne sais pas. Hein, j'ai acheté 2 shorts. De toute façon, je vous les ai montrés sur Instagram. C'est les shorts que je porte tout le temps maintenant. J'ai pris en bleu et en noir. Donc, je vais vous montrer seulement en bleu. En noir, exactement pareil. Mais en bleu, c'est celui que je porte actuellement. J'ai pris une petite ceinture aussi qui vient de chez Primark qui m'a coûté 1 euro pour pouvoir vraiment resserrer au niveau de la taille. Et le petit t-shirt que vous voyez ici, je l'ai payé genre 5 euros chez Pull&Bear aussi. Je suis retournée chez Pull&Bear et je les ai plus vus. Donc je sais pas si c'est encore disponible, mais en tout cas il est vachement bien, j'adore, je ne fais que de le porter, je l'aime beaucoup trop, la couleur est trop belle. Donc voilà, pour ça le short coûte 19,99€, le haut donc 5 ou 6€. Mais si t'es donné ta friandise, Chouquette, hein, faut arrêter les conneries hein. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, Chouquette, hein, hein, oui. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.